Coucou tout le monde, merci d'être là, merci d'être à notre rendez-vous du dimanche matin. Aujourd'hui, je vous propose une petite surprise, je vous propose de participer à un cours en ligne. C'est un cours comme je donne en Zoom, il a d'ailleurs été téléchargé, la qualité n'est pas aussi top que quand on est comme ça entre nous, mais vous allez participer à la moitié d'un cours. Alors pas de panique, avec la moitié d'un cours, vous allez voir que vous avez déjà beaucoup à faire. Vous avez l'échauffement et le corps de séance. Le mercredi matin, c'est mon cours le plus costaud, le cours où il y a le plus de cardio. Vous verrez d'ailleurs que je peine un petit peu parce que j'ai pris des charges assez lourdes. Vous pouvez prendre bien sûr des charges beaucoup plus légères, voire faire à vide comme on dit, et il n'y aura aucun problème. Ce qui me ferait super plaisir, c'est qu'après le cours, vous me laissiez un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Dites-moi si vous aimez, si vous aimeriez que de temps en temps comme ça, je vous donne quelques accès gratuits au cours. C'est parti. Bonjour à celles qui nous suivent en replay, cours cardio du mercredi matin. Il y aura deux petits cours différents dans un. Le premier cours a du cardio, mais je n'ai pas fait non plus trop fort parce que dans vos réponses à mon mail, voir si vous étiez en forme ou si c'était bof bof, ben, c'était quand même pas mal des bof bof. Et je vous avoue que j'ai déjà été aussi plus speed qu'aujourd'hui. Que pour le moment en tout cas. Donc du coup, il n'y a pas énormément d'impact, il y a moins de sauts, mais il y a quand même un peu la charge. Hop, vous pouvez commencer par le tambourin parce que voilà, quelqu'un qui arrive, il faut que j'aille ouvrir. Donc, ah mais c'est Béné justement. Béné de Bruxelles. Hop. Hop, notre petit tambourin. Alors, comme justement dans les mails, vous m'aviez dit, ben, fait chaud, y en a une qui a mal à l'épaule, une qui s'est refait mal au genou, une autre qui a des saignements de nez. Donc, du coup, je me dis, je vais quand même faire un échauffement un peu plus cool, plus ce style. On fait d'abord le point sur éventuellement où on devrait lever un petit peu le pied. D'accord? Je sais bien qu'Alex, elle a aussi parfois un peu mal au dos, etc. Donc, on va se mettre au sol. Béné, je ne te vois pas pour le moment. On se met sur le dos. Hop. Et on va simplement garder les pieds assez larges. D'abord, on regarde si on peut se laisser vraiment enfoncer dans le tapis. Ok, donc pas rester super crispé comme s'il allait nous arriver quelque chose. Vraiment garder le bassin bien posé, déposer le cœur au tapis, desserrer les fesses. Ok. Et puis, on va commencer à balancer un petit peu les jambes de droite à gauche. Le but étant de commencer à mettre une petite rotation dans le bas du dos et à regarder comment ça va au niveau, justement, hanche bas du dos. Et ici, juste au-dessus de la fesse, ça a l'air d'aller. Et on va pas aller trop vite, trop loin tout de suite. Hop, on stoppe ce petit mouvement. On garde bien les mains au sol, les pieds à peu près largeur bassin ou un peu plus large. On monte le bassin, hop, et on redescend vertèbre après vertèbre. N'allez pas trop vite, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller à mon rythme. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois que vous allez poser une vertèbre, vous puissiez avoir une petite information sur éventuellement une zone qui aurait besoin d'être un petit peu plus chouchoutée. Dernière fois. Ok, maintenant je vais mettre les pieds joints et je vais déposer mon bassin au bord droit du tapis. Donc c'est lève les fesses et dépose-les à droite du tapis. Les genoux descendent à gauche. Hop, là on regarde un petit peu comment ça va au niveau du milieu du dos, peut-être même de la fesse, vous voyez, ça tire un peu ou pas. Si c'était le cas, que ça tire un peu trop, ne restez pas trop en bas. N'hésitez pas à mettre du mouvement. Le but ici, c'est pas d'avoir l'impression d'être étiré comme une vieille chaussette. Hein. Parce que comme on va devoir être réactif, c'est pas le but. Hein. C'est vraiment comment ça va aujourd'hui. On remonte une jambe, puis l'autre, on se remet au centre du tapis. Pareil de l'autre côté. Hop, lève les fesses, on va déposer. Et on descend les jambes à droite. Pareil, si ça n'a pas trop envie de céder, ben hop, on bouge un petit peu. Et que les épaules restent dans le sol. Ok, on remonte
une jambe puis l'autre. On remet le dos au centre du tapis. On ramène une cuisse puis l'autre, petite boule. Okay. Soit on reste dans la petite boule. Là, je vais en donner trois différents en fonction de ce que vous ressentez. Si vous avez tendance à avoir des tensions ici à l'avant des cuisses, je vous proposerai plutôt hop, celui-là. Les genoux dans les mains et je roule. Le mouvement est assez petit. Mon objectif, c'est de ne pas comprimer ma ligne antérieure et de masser sacro-iliaque. D'accord ? Deuxième option. Je pose un pied et je mets la cheville sur le genou. Option pour celles qui ont plutôt parfois des douleurs type sciatique. Où on pourrait éventuellement ramener les jambes au-dessus de nous ou pas. Avec ou pas le petit roulis-roula de droite à gauche. On a pris cette option, après on change de pied. À nouveau, ce n'est pas le but de rester longtemps dans la position. Hein. Et troisième option, c'est les pieds larges. Je reprends celui du début, j'ai déjà refait une petite torsion. Donc peut-être je peux aller un peu plus bas. D'accord, donc soit les genoux dans les mains, soit l'étirement de la fesse, soit mobilité du bas du dos. Ok, on va se tourner par le côté. Youp. Je rattache mon micro et on se remet à 4 mètres. On ne dirait pas une préparation de cours cardio. Hein. Je ne suis pas dans les traditionnels squats et compagnie. Doron. Dos creux. On repousse bien sur les bras. On commence à activer la respi. Expire, le ventre rentre. Et revient. Je vais rappeler comme on a fait vendredi, lundi, mardi aussi, je pense. Oui, je vais enlever ça parce qu'on dirait que mon ventre, il pend complètement. Donc, c'est que si vous ne sentez pas votre ventre, à la fin de l'expiration, n'hésitez pas à volontairement tirer plus fort le ventre vers l'intérieur. On va dire contracter les abdos, mais vraiment du bas vers le haut. Je tire. Donc, si l'expiration active ne suffit pas, il y a si au début de ma phrase, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Si l'expiration active ne suffit pas pour que vous sentiez qu'il y a vraiment un engagement au niveau des abdos, vous pouvez à la fin de l'expiration faire exprès, de contracter pour essayer de relancer un petit peu cette sensation. C'est nul ce que j'ai dit sensation sensitive. Ça ne va pas. Le ressenti, quoi. Ok ? On se met simplement à genoux, hop, on ouvre les bras. Marilyn, si c'est trop comme amplitude, tu fais plus petit. Et puis dans l'autre sens, comme si je faisais la nage papillon. Ok, je ramène trois fois. Pied devant, ouvre, change. L'autre jambe. Pied devant, ouvre, change. Deuxième fois à droite. Deuxième fois à gauche. Troisième à droite. Troisième à gauche. On se remet à quatre pattes. Soit à quatre pattes, soit demi-planche. On va juste faire un petit peu commando, donc c'est celui-là. 1, 2, 3, 4. Le but, ce n'est pas de vous pré-fatiguer, c'est vraiment de commencer à mettre un petit peu de charge sur les bras parce qu'ils vont quand même bosser. Ok, on reste à quatre pattes. On fait bouger, marcher les mains. Je vais mettre face à vous. Donc, je suis comme ça et puis je fais marcher les mains. De manière à essayer d'aller un peu plus loin dans un sens, puis dans l'autre. Ok, et si ça va, donc là j'ai les mains vers moi, et si ça va, je vais maintenant hop, replier le poignet. Dans l'autre sens. Ok. Et on est parti. On se met debout. Je garde mon copion là. Donc, je disais, Béné, avant que tu arrives,
j'ai refait tout un. Mais comme tu me mets un peu la pression avec tes charges de dingue, j'étais recherchée ma 8 kilos. Je sais que c'est pas ton but, hein, je rigole. Hop. Alors, notre premier, c'est squat bas, touche le sol, clap les mains. D'accord ? C'est parti. En bas, monte. J'ai pas mis la charge tout de suite parce que comme je comptais faire un petit échauffement plus doux, je vais aller crescendo. Et de descendre assez bas. Et pareil, donc Marilyn, là, si ça ne va pas, ben, tu pourrais simplement pac, taper les mains. 10 secondes. Ok, on marche un petit peu. Notre prochain, c'est genou, genou, cheville, cheville. Vous connaissez. Attention. Un, et c'est parti. Genou, genou, cheville, cheville. Vous avez remarqué que dans mon cheville, cheville, je ne fais pas ça. D'accord ? On essaie de rester la plus droite possible. Alors, on m'a dit au cours que j'allais vite. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la même vitesse que moi non plus, mais je vois que là, vous n'allez pas lentement quand même. Voilà. Allez, Marion, il y a moins que tu montes plus le pied. Pac, pac. Ouais. Du coup, je ne sais plus ce que je fais. Voilà. Karine aussi, bien pété, plonge ton pied dans la main. C'est pour vos fesses. Ok, on stoppe, on se met au début du tapis. On se rappelle, enfin vous vous rappelez sur le groupe WhatsApp, on m'avait mis une sculpture d'un arc à flèche. Donc essayez de penser à un grand mouvement, d'accord ? Puis reviens, arc à flèche alterné. J'inspire pendant mon mouvement. La jambe devant reste tendue, la jambe derrière se fléchit. Ah, est-ce que si ça va, Coralie, hein? Hop. C'est la jambe qui part, qui se plie. Dix secondes. Ok, vous marchez, je vous montre le suivant. J'avais dit que ce n'était pas beaucoup d'impact. Le jumping jack, il a beaucoup d'impact. Le jumping jack, c'est celui-là. Ok. Donc, soit vous le faites comme ça, si ça vous dit, soit on fait demi. C'est parti. Je crois que j'en ai fait assez hier, en fait, de jumping jack. À nouveau, Marilyn, si ça ne va pas, refais simplement avec les bras comme ça. Par contre, ça ne nous empêche pas d'être boum, assez rebondissante. Hein. On s'expulse. Et repos, petite marche. Notre suivant, c'est fente arrière, monte genou. Donc, c'est derrière, monte genou. Ça va ? C'est parti maintenant. On reste sur la même jambe. On peut se pencher en avant si on veut. Essayez que le genou frôle le sol. Il peut toucher un peu le sol. Hein. Inspection. Souffle à chaque fois que tu montes le genou, Christine. Voilà, c'est que ton buste reste droit. Je veux dire, pas de pencher en arrière quand tu montes le genou. Karine, Marion, super. Michel aussi.
5, 4, 3, 2, 1. Repos. Ça va? Puis ça va être l'autre jambe. On reprend dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop, en bas, en haut. N'hésite pas à laisser bouger tes bras, Coralie. Comme si tu marchais, quand tu laisses un mouvement spontané. Bien, Marion. Ah, garde ce rythme-là, Christine, c'est bon. Hop. Et chaque fois que tu souffles, que tu montes le genou, le ventre rentre. Marianne, fais gaffe pour tes genoux. Hein. Et repos. Pour relâcher un petit peu. Notre suivant, c'est le 1, 2, 3, stop, équilibre. Donc c'est 1, 2, 3, je stop. Soit version cool, soit version plus rythmée. On est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors c'est pas un choc de dingue non plus. Donc intentionnellement, je bloque. Hein. Arrêt sur image. Cinq secondes. Et repos. Ça va? Notre suivant. Deux squats, box-box. C'est-à-dire, un, deux, tap, tap. Ça roule. On reprend dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, box, box. 2, pouf. Secondes. Repos. Burpees décomposé. C'est-à-dire, une jambe, l'autre jambe, puis je ramène, je touche le plafond. On est parti. Une jambe, expire, ventre rentre. Planche, ramène un puis l'autre, touche plafond. Super Coralie. Fait super tout le monde. Hein. Ok, repos. Mathilde et Jean-Claude. C'est pas un nom de resto. C'est. J'ai refait Mathilde Jean-Claude après, je pense. Oui. Donc on va faire tout le temps avec la même jambe. C'est parti. Donc je salue la reine Mathilde. Je tape comme Jean-Claude Van Damme. Ça va? Hop. Tac. Si vous perdez l'équilibre, revenez après au centre. On salue, on tape, on pose. Même jambe. Salue, tape, pose. Hop.
repos. N'oublie pas que pour taper, il faut que le buste se penche. Hein. Enfin, pareil, de l'autre côté. 3, 2, 1, et c'est parti. Je salue, je tape. Voilà. Christine, si tu as fait pareil de l'autre côté, ça me va. Tu ne le fais pas comme moi, mais c'est bien aussi. Tu changes de jambe, en fait. Mais pas de souci. Voilà, descends bien le genou. Parfait. Et c'est bon. Repos. Alors... demi-fente sautée, pareil, c'est pas énorme, mais vous pouvez encore diminuer avec la taille des pas. Donc, un pied devant, un pied derrière, je ramène, hop, et je pars. Ça va ? C'est parti. Si ça, c'est trop, vous pourriez simplement faire pied devant, pied derrière. Et vous faites une espèce de petit plié. Oui, d'accord, Marianne, Marilyn. C'est d'être légère, léger dans vos sauts. Hein. Bah, boum, boum. Marilyn, elle fait fente arrière alternée. Ça va aussi. 3, 2, 1, repos. Au sol. Sur le côté, soit sur l'avant-bras, soit le bras tendu. On va faire l'arc-en-ciel. On allonge un petit peu plus le genou là dans le bas. On soulève le bassin. On va mettre la main ici. Je monte vers le plafond, puis devant. Plafond, reviens. D'accord, reviens derrière. C'est de garder la jambe du dessus la plus tendue possible. Donc pas comme ça. On va essayer, d'accord ? C'est normal qu'on sente l'épaule du bas. Si ça devient trop pour l'épaule, hop, change un petit coup la position en faisant avec le bras tendu. Christine, ton bassin il est un peu là. Je veux bien que tu le redescendes un petit peu. Voilà. Ok, repos. On va faire pareil de l'autre côté. Cinq secondes. Repousse bien. Et c'est parti. Si ça vient trop, vous retendez le bras. Allez, Christine, vas-y, vas-y. Voilà, et monte bien la jambe vers le plafond. Marilyn, top. Coralie, super. Courage, Karine, c'est presque fini. Tout le monde meurt, Exila, tout le monde meurt. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, repos. La friori, il n'y a personne qui en refait une petite pour en dessert. Quoi. On se remet debout. Je vais mettre une petite pause parce que je vois qu'il y en a qui sont toujours au sol. Mettez debout, je vous le montre. Donc, c'est 5 temps le gosse capricieux qui piétine et puis 5 secondes la planche. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Je mets en planche. 5, 4, 3 et compagnie. OK ? Hop. Et attention. C'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, planche, 5, 4, 3, 2, 1, hop, 1, 2, 3, 4, 5, planche, 5, 4, 3, 2, hop. Est-ce que ça va ?
Oui, demi-planche, c'est bon aussi. Et hop, on ramène. Allez, go. Le plus vite possible, les pieds. Bien, Coralie. Dernière fois que vous piétinez. Et repos. Ça va? C'est bien, Coralie. Elle termine carrément sa planche. On prend notre charge. Ça va? On est prête? On appuie sur un genou. C'est démarre la tondeuse. Donc, je tire le coude vers le haut. Le câble de ma tondeuse est sérieusement grippé quand même pour que ce soit si dur. Allez, 20 secondes. Tac. Dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et repos. Ah, j'ai un bras plus long que l'autre. On démarre la tondeuse de l'autre côté. Ah non, j'ai fait un autre. J'ai fait patineur au sol. Posez deux secondes la charge, c'est pour qu'on récupère un peu. Donc, patineur au sol. C'est comme si je faisais du patin en vitesse. Donc, vous voyez un patineur comme ça. Et j'essaye de tendre le bras vers le sol. Ça roule? C'est parti. Si vous cherchez un petit peu, lancez d'abord vos jambes et puis le bras. Un seconde. Ouais, c'est bon. Repos. Tondeuse de l'autre côté. Et c'est parti. Coude. Coude. Vingt secondes. Béné, tu lâches pas tes 8 kilos, hein. C'est bon. Hop. Alors ensuite, j'ai mis sur le dos, monte les haltères. Hop, installez-vous avec vos charges. C'est simplement couché sur le dos et on monte les mains. Et on est parti. Repos, on se remet debout. Le suivant. Alors,
Arrache-carotte avec 8 kilos, je suis pas certaine. Donc, je vais donner deux différents. Soit c'est arrache-carotte comme on fait d'habitude. Donc, j'ai une belle carotte ici en bas. Je l'arrache et je la monte. OK? Soit c'est quand même un peu lourdeau. Je crois pas que j'arriverai à faire toute la série. Donc, je peux aussi attraper si vous avez une grosse charge. Vous pouvez aussi faire celui-là. D'accord? Donc là, c'est réellement la charge qui me tire pour remonter. Donc, ça va? Vous choisissez. Je remets mon chrono. Et c'est parti. Secondes. Et repos. Même chose de l'autre côté. On reprend. Et c'est parti. Et repos. Vos haltères normales, ça va être plus mobile, épaule plafond. Plus mobile, épaule plafond. On est parti. Si le dos se fait un peu sentir, fléchissez plus fort les genoux. Secondes. Et repos. On n'a pas froid. Hein. On récupère un petit peu. Petit coup d'eau, ça vous va? Ok. Alors, il nous en reste deux. Monte et descend à genoux avec la charge. Quand on arrive en haut, on fait 10 fois lever. Ok, mais je vais faire avec vous. Hop, donc vous prenez vos charges, celles que vous voulez. On monte en descend à genoux. Et on lève 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte et descend à genoux. 1, 2, 3, 4. Et on monte et descend à genoux. Et repos. Il nous en reste 1.
prends nos petites charges. Et je vais aller mettre le pied droit derrière et fléchir le bras. Hop. Puis je remonte, puis pied gauche. Super, vous avez un bon rythme. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Vraiment repos. Fin du premier round. Ça va ? Mini pause, on refait un peu d'abdos. Je crois qu'on voit que sans ventilateur et avec 8 kg de charge, j'ai un peu chaud. Si vous le trouvez trop gnagnote, vous le réessayez avec une charge plus lourde. Ça va tes épaules, Marie-Mine ? T'as chaud aussi ? Toi, t'as 15, ça va encore. Ça va ? Oh là là ! On est partout. Hop. On est reparti, deuxième round, je change juste mon chrono. Et voilà, c'est terminé. Vous avez donc eu l'échauffement et la partie plus cardio. Il vous manque le deuxième round qui était abdos et le retour au calme. Pour le retour au calme, je vous propose de faire des vidéos que je vous ai déjà proposées, par exemple celle avec le ballon. Je vais essayer de vous mettre le lien là, sinon je vous le mettrai en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de me laisser mon petit pouce si vous avez aimé ce petit rendez-vous et de me laisser vos commentaires. On se retrouve dimanche prochain. Bisous, prenez soin de vous.